Caroline, dépêche-toi, je vais être en retard. Maman, faut pas que je rate ce boulot. 10-10. Il n'a encore rien dit. Ils se méfient les uns des autres. Bonjour. Bien, mais vous savez pourquoi nous vous avons laissé 2 heures déjà? Oh là là, comme le temps passe vite, hein? Hein? Bon, quelqu'un a une idée, non? Ah, ben, normalement, si vous avez été sélectionné parmi 480 candidats, c'est que vous devriez être prompt et y réfléchir. Pour que nous soyons prêts? Précisez votre pensée. Que nous soyons mûrs. Bravo, mademoiselle Talenza. Bien, je suis monsieur Volpaille, directeur des ressources humaines, mais nous nous sommes déjà rencontrés dans les 9 sélections précédentes. Je vous présente madame Mathiès. Bonjour. Bonjour, madame. Bien, à vous. Suivez madame Mathiès. Alors, comme ça, vous voulez faire partie de notre consortium. Excellent choix. Si vous êtes retenu, vous verrez qu'il n'y a pas meilleure place actuellement. Vous avez une petite fille, je crois. Oui, madame. Ludivine. Elle a 8 ans. Nous allons voir si vous êtes capable d'avoir le poste pour que Ludivine ne manque de rien. Je ferai de mon mieux. Nous allons voir. Mettez-vous à 4 pattes. Pardon? Mets-toi à 4 pattes, c'est clair? Qu'est-ce que c'est? C'est une brosse à chaussures. Exact. Et qu'est-ce qu'on fait avec? On tire les chaussures. Très perspicace, monsieur Hamar, hein? Je note. Allez, voici donc votre première épreuve, hein? Vous voulez dire que pour espérer obtenir le poste, il va falloir cirer vos chaussures? Oui, exact, oui, ça vous pose un problème. Ah ben oui! Oui, moi je postule pour un emploi de cadre, pas celui de larbin. Oh. Vous savez... de quelqu'un. Et pour être un bon dirigeant, il faut d'abord être un bon exécutant. C'est juste une question de degré, de place dans la pyramide. C'est bien, ne te cabre pas. Allez, plus vite. Allez, allez, plus vite, plus vite. Oh, mademoiselle Talenza, venez, venez! Mais pas le droit de vous traiter comme ça, comme vieux chien! Ah ben, mes chiens, je traite mieux que ça. Mais quant à toi, mon gros compagnon, tu viens d'être éliminé. Non, ne me chassez pas.
Non, c'est pas ce qui m'a pris, je recommencerai plus. Non. Oh. Laissez-moi une autre sauce, s'il vous plaît. J'ai trop besoin de ce travail. Attendez, ce serait docile. Oui, mais vais-je pouvoir supporter ta vue de personnage? Oh, cela ne rendra votre beauté que plus flagrante. Divin maître. Oh, flatteur et sournois, j'adore ça. Hein. Tu remontes dans mon estime. Allez, je te donne une seconde chance. Hein. Mais avant, tu dois subir un châtiment. Allez, que chacun le flagelle à sa manière. Hein. Tiens, prends ça, si t'avais pas été là, j'aurais pas eu besoin de me traîner à genoux. Allez, Queen, gros porto, pour t'apprendre à répondre à ton maître. Queen. Ah, très bien, monsieur Amar, très bien. Vous ferez un très très bon dirigeant, hein. Allez, rejoindre madame Mathias dans son bureau, elle vous attend, hein. Oh, monsieur Plaza. Et mademoiselle Talensa, hein. La règle de l'épreuve suivante est très simple. Je vais vous attacher les mains dans le dos et vous présenter deux fois cet animal. Hein? Et vous devrez me le rapporter au moins une fois pour rester dans la course. C'est bien compris? Oui, monsieur. Allez. Merci, monsieur. Oh. Merci, monsieur. Je vais te faire payer chèrement ta claque. Tu sais que le brontosaure n'a pas le cerveau plus grand qu'une noix. Allez-y. Ah, c'est bien. C'est bien, tu es comme j'aime, hein. Monsieur Blas, vous êtes décidément très décevant. Si vous ne me ramenez rien la prochaine fois, vous n'aurez plus qu'à rentrer chez vous. Allez-y! Ah, tu vois, tu as brave toutou. Il suffit de te motiver. Bon, je vais voir où en est votre collègue. Et on ne bouge pas pendant mon absence. Répète. Tu es ma maîtresse, tu es la plus belle, tu es la plus grande, monte-moi. Tu es ma maîtresse, tu es la plus belle, tu es la plus grande, monte-moi. C'est bon, madame Mathias? Exquis. Non, je veux dire, il fera l'affaire. Oui, tout juste, mais ça ira. Je vous envoie le suivant. Alors, on s'est pas trop ennuyé pendant mon absence, hein? Oh, bon, je vais vous enlever ça, hein? Oh, ben, regardez qui arrive! Allez, monsieur Blas, allez rejoindre madame Mathias, elle vous attend. Pendant ce temps, avec nos amis, nous allons passer à la troisième épreuve. Salut. Alors, vous avez bien compris. Monsieur Amar, vous allez vous cacher. Et vous, mademoiselle Talensa, vous allez le chercher. Et si dans 10 minutes, elle ne vous a pas trouvé, vous avez gagné. Tout d'étage? Oui, c'est ça. Allez, bonne chance. Je compte jusqu'à combien? Oh, laissez tomber. Laissez tomber quoi? Vous savez, il y a des moyens beaucoup plus simples pour vous d'obtenir ce poste. Bon, ça suffit! Vous êtes malade! Mais je vais te manger! Je vous ai observé à la caméra de surveillance. Bravo, quel charisme! Vous l'avez bien mis à sa place. Vous me parlez de qui, là? Ne faites pas l'innocent. J'ai tout de suite vu que vous étiez un battant. J'aime ça. Il y a des étalons indomptables. Vous en faites partie. Fais le cheval. Pardon? Tu as très bien compris. Fais le cheval, ennemi. Allez, Bronco, ennemi. Allez, Eni, tu n'as pas fait tout ce chemin pour abandonner maintenant. Oui. Eni, Bronco. Eni. Qui c'est qui va se faire déguiser?
résister. Pauvre mère. 4, 3, 2, 1, 0. J'ai gagné! J'ai gagné! Hey, j'ai gagné! C'est bon, relevez-vous. Nous devons aller voir Monsieur Volpaille. Vous êtes non! C'est moi qui ai gagné! C'est moi! Oui, oui, très, très, très bien, Monsieur Amar. Vous êtes notre champion. N'est-ce pas, Madame Mathiès? Peut-être. Vous étiez dans le local technique. Oui. C'est interdit. Mais on me l'avait pas dit. Ah non, non, c'est pas interdit. Si, c'est dangereux. Il devait le deviner tout seul. Monsieur Bronco, pardon, Blas, a donc gagné. Ah non, 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 non. Vous n'avez pas le droit, c'est pas juste, hein. Faites-nous passer d'autres épreuves. Non, je ne me ferai pas ravir le poste par ce gringalet ou ce vieux gros. Je veux continuer, vous m'entendez? Je veux continuer. Ah, vous n'avez rien exigé, hein. Quant à vous, vous n'intervenez pas quand je prends des décisions. C'est pas vous qui allez travailler avec le candidat. Je vous dis que le meilleur, c'est Blas. Mais c'est moi qui ai gagné. C'est moi qui traite de vieux gros, salope. Ah, oh, t'aurais pas dû. Oh, c'est moi qui ai gagné, c'est moi. Je vais vous faire envoyer sur le champ. Vous m'entendez? Sur le champ. Pauvre débile. Ah là, tu t'es grillé, ma vieille. C'est moi qui ai gagné, c'est moi.